Après toi est mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Bonjour à toi, mon frère, ma sœur. Shalom, shalom. Que la paix et la joie de notre Seigneur soient toujours avec toi. C'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec toi. C'est un plaisir pour moi d'être dans la présence de notre Dieu avec toi. Nous sommes en union de cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La parole de l'acclamation de ce jour dit « Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. » Alors, à partir de ce texte, c'est ce chant qui monte dans mon cœur, qui dit « Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma force. » Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Parce que oui, aujourd'hui, j'ai la ferme conviction que l'objectif d'une vie, c'est de demeurer entièrement en Dieu. L'objectif d'une vie, c'est de la bâtir sur le roc. Afin que même quand les vents, la pluie viendront, la maison demeure, cette vie demeure, ma foi demeure. Alors aujourd'hui, il est important de se demander en quoi ou sur quoi est-ce que j'ai bâti ma vie? Sur quoi est-ce que j'ai bâti ma maison? Parce qu'il y a un psaume également qui nous dit que si le Seigneur ne bâtit la maison, alors les bâtisseurs la bâtissent en vain. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui, en ce dernier jour du mois, je veux vraiment que tu fasses cette introspection et te demander sur quoi est-ce que j'ai bâti ma maison? Et si la réponse ce n'est pas sur Jésus, en Jésus, en Dieu. Alors je veux que tu prennes cette résolution avec moi dès aujourd'hui et dire au Seigneur, Seigneur, je veux bâtir ma vie sur toi, sur le roc. Je veux que tu sois mon bouclier, je veux que tu sois ma force, afin que même quand les épreuves viendront, même quand les tribulations viendront, Seigneur, que je ne puisse pas m'écrouler. Que je puisse tenir ferme, que je puisse rester enracinée en toi, Seigneur. Parce que laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que ce n'est pas parce que nous avons choisi de donner notre vie à Jésus que les épreuves ne viendront pas, que les tribulations ne viendront pas. Parce que lui-même, il nous a dit, vous aurez à souffrir, mais tenez bon, car j'ai vaincu le monde. Alors je veux vraiment que nous prenions cette résolution, 31 août, je veux que tu prennes cette résolution de bâtir ta vie sur le roc, de prendre tes décisions avec Dieu, en Dieu et pour Dieu. Ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Jésus, tu es mon bouclier, tu es mon
tu peux dire à ton Dieu, il est ton bouclier. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Jésus, toi seul est le désir de mon cœur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Je veux t'adorer, toi et toi seul, Jésus. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Car le désir de mon cœur, c'est de t'adorer, Seigneur. Tu es le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Jésus, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es ma force. Tu es ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Bâtir ma vie en toi, sur toi et pour toi. Oh, 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 Jésus, car tu es la pierre angulaire. Oh, 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 mon bien-aimé, l'époux de mon âme, l'époux de mon âme, tu es mon bien-aimé. Aujourd'hui, je désire te donner ma vie. Je désire te donner ma vie. Bâtir ma vie en toi et pour toi, Jésus. Oh. Alors, Seigneur, daigne accepter nos vies. Daigne accepter, Seigneur, de participer activement à nos vies, Seigneur. Qu'en ce jour, nous soyons véritablement changés et transformés. Reprends les règnes de nos vies, Seigneur. Reprends les fondations de nos vies, Seigneur. Reprends tout. Parce que nous savons qu'en toi, nous avons toujours cette deuxième chance. Alors sois notre bouclier, sois notre force. Dans ce bas monde qui est tellement difficile, Seigneur, tu es notre force. Tu es ma force. Tu es la force de mon frère qui m'écoute. Alors fortifie-nous, Seigneur, dans la foi. Fortifie-nous dans la foi, Seigneur. Et que ton nom soit béni. Toi, notre force. Ainsi nous t'avons prié, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.